Good morning, allez, Iden, les suisses, aujourd'hui, le Lunishmat Abraham de Chai Ben Israël, Vefani Dvor, Abat Esther, David Ben Fortuna, Mazal, Fritna, et Tamar, Bat Monique Assouline, Né Soussan. Si vous souhaitez vous aussi des dunes, prochaine dune, Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous sommes à Masechet Ktuvot, Perek Bet, Mishnah Vav. Shtei Nashim, Shenishbu, Zot Omeret Nishbeiti, Uteorani, Zot Omeret Nishbeiti, Uteorani, Enan Ne'emanot. Je traduis directement, deux femmes qui ont été prises en captivité. Zot omeret nishbeti uteorani. L'une nous dit qu'elle a certes été prise en captivité, mais qu'elle est restée pure. Vezot omeret nishbeti uteorani. Et l'autre nous dit qu'elle a été prise en captivité et qu'elle est restée pure. Et nan emanot, elles ne sont pas crues sur elles-mêmes, elles ne peuvent pas témoigner pour elles. Tandis que, ou bisman chen meidot zo et zo, par contre, si une témoigne sur l'autre, elle dit, moi et ma copine, on est restés propres, on n'a pas été abusés. Alors dans ce cas-là, Are Elun et Manot, elles seront crues. Soit, c'est très simple, on est sur le même principe que la Misha précédente, on a évoqué le sujet, donc du coup, on a une femme qui a été prise en captivité, on soupçonne que les captifs, c'est eux-mêmes, donc, ceux qui l'ont prise en captivité, on va dire. Eh bien, pourquoi ne... C'est évident qu'ils vont les brigands, ils vont abuser d'elles. Pourquoi pas? D'accord? C'est leur manière de procéder, ils prennent l'argent qui appartient aux autres, ils prennent ce qui appartient aux autres, pourquoi ne pas prendre la femme des autres aussi? Au même titre. Donc en fait, toute femme qu'on sait qu'elle était prise en captivité, on soupçonne qu'elle était abusée. Si c'est une femme de Cohen, ça veut dire qu'elle a été peut-être... elle est devenue... elle va devenir interdite à son mari, par exemple, parce que c'est sûr qu'elle a été violée. Sauf si il faut, alors là, Bishvouya et Kelour, Ramim ont décrété que un témoin suffit pour nous dire qu'elle n'a pas été abusée. Alors, je refais un petit peu d'ordre. Tout d'abord, dans la Mishnah précédente, on avait vu que si on n'est pas au courant qu'elle a été prise en captivité, c'est elle qui nous le raconte. Là, on la croit elle-même, parce qu'elle a péché à ça ou a péché à tir. La bouche qui a interdit, c'est la même bouche qui permet, je crois. Si elle t'apprend qu'elle a été prise en captivité, tu dois la croire sur tout ce qu'elle dit, même sur le fait qu'elle n'a pas été abusée. Si toutefois. On sait qu'elle était prise en captivité parce qu'il y a des témoins qui l'ont vu partir. Alors là, il va falloir un témoignage qu'elle n'a pas, qu'elle est restée propre. Maintenant, ce témoignage, c'est pas la peine d'avoir deux témoins qui viennent nous dire. Ça suffit même une personne, même un esclave, même une femme, qui peuvent témoigner, même un enfant même, à condition que l'enfant ne vienne pas témoigner, mais il raconte ça de manière naturelle. Mais qui nous disent qu'elle était prise là-bas. Quand elle était captive, on n'a pas abusé d'elle. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir? Alors il faut juste dire qu'ils ne se sont jamais quittés par un seul instant. S'ils ont passé même un jour chacune dans une cellule différente, par exemple, c'est fini, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé de l'autre côté, il n'y a plus de témoignage. Mais c'est dire qu'on est resté constamment ensemble, et moi je sais qu'elle n'a pas été abusée, chacune elle pourra témoigner sur l'autre, et dans ce cas-là, ça marche, avec même un petit chidouche qui va être un petit peu évoqué dans la prochaine Mishnah, un peu plus en fait, dans Mishnah Chet, que même si finalement les deux reviennent de captivité. Chacune a l'intérêt, peut-être qu'en fait elles se sont mises de mèche, que chacune elle témoigne sur l'autre, et qu'elles sont en train de mentir, on ne craint pas l'Ochaïchinan les Gomelines. D'accord? Ça va discuter un petit peu plus loin, pas dans notre Mishnah, dans notre cas précis, mais en tout cas, est-ce que deux personnes qui viennent, moi je témoigne sur toi et toi tu témoignes sur moi. Alors, à part le fait que je suis un témoin qui peut témoigner sur toi et toi tu es un témoin qui peut témoigner sur moi, mais si on témoigne mutuellement l'un sur l'autre, alors il y aurait lieu de craindre en théorie qu'on s'est mis de mèche pour en fait, chacun il raconte sur l'autre comme ça. Et bien, malgré tout, on ne craint pas ça ici, en tout cas, dans notre mission, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.